Salut à tous, c'est Macradan. On se retrouve pour un nouvel épisode de Custom Skyblock. Comme vous pouvez voir, ma base a un petit peu changé. J'ai un petit peu agrandi, j'ai enlevé ces passerelles d'un peu trop étroites. Et surtout... Ah bah tiens. Donc il y a ces poulets qui sont là. Et il y a cette vache qui vient juste d'apparaître. Elle n'est pas là il y a encore 30 secondes. Donc ça tombe bien parce que l'épisode d'aujourd'hui, je vais me consacrer aux œufs. Pour faire spawner quelques animaux. Et pour ça, j'ai déjà récolté quelques œufs normaux. Donc, pour rappel, si on regarde les recettes, donc il y a les cochons avec des carottes. Donc pour l'instant, j'ai pas encore assez de carottes, mais je devrais en avoir. Je vais lui faire pousser un peu plus vite avec de la bonne mille. On a la vache, c'est avec du cuir. Donc ça, j'ai tout ce qu'il faut, j'en aurai même, vu qu'il y en a une qui a spawné naturellement, ça m'en fera 3. Les poulets, c'est déjà bon, j'ai ce qu'il faut. Les moutons, c'est avec la laine, donc on fabrique le fil avec des sticks et puis de la bonne mille. Et je suis curieux, de toute façon, c'est pour plus tard. Et surtout, la dernière fois, il y avait cette recette qui s'affichait pas, parce qu'il y avait un petit problème dans la recette. Donc, pour faire des villageois en utilisant des portes. Et là, je viens de voir... Je croyais qu'il fallait obligatoirement des Dark Oak d'or. Mais en fait, non, n'importe quelle porte convienne. Donc j'avais prévu le coup en... J'avais fait pousser des Dark Oak et récolter des planches. C'est pas grave, je tirerai celle-là. De toute façon, ça change rien au final. Donc tout de suite, je vais commencer par les vaches. Donc la recette comme ça et ça nous donne deux vaches que je vais directement aller mettre en place. Et voilà. Et je vais directement en avoir une quatrième. Du coup les carottes, vu qu'il fallait faire pousser. J'ai un petit peu réorganisé mes champs, j'ai encore un petit peu agrandi, j'ai pas encore terminé d'avoir toute la terre qu'il faut pour le champ, mais ça avance. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des petits points qui apparaissent. J'ai fait en fait un ressource pack perso qui indique via un petit pixel différent si une culture est poussée ou si elle est encore en train de pousser. C'était du blé ici, les carottes c'est ici. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne avec ce ressource pack. Voilà, là, j'ai maintenant un point rouge. C'est-à-dire que cette carotte, cette plantation de carottes est prête. Alors, combien ça m'en fait? Si je replante... J'en ai pas encore assez. Vu qu'il m'en faut 8 et 8, 16. Du coup, je vais aller refaire un petit coup de bonne mille. J'ai même déjà encore du stock. En ce temps, de ce côté-là, ça pousse pas encore. Par contre, ce que j'ai fait... Ah bah. Apparemment, aujourd'hui, le thème, c'est... de montrer que ce qui pousse pas encore, pousse quand même juste au moment où c'est que je le dis. Donc, le but, en fait, c'est que je vais faire après... plantation de cactus automatique, donc un truc tout simple, un cactus posé sur un bloc de sable avec une fence juste au-dessus. Ça fait quoi automatiquement le morceau de cactus qui tombe. Et j'aurais plus besoin, enfin parce que j'ai besoin de cactus green là. J'en ai besoin pour un certain nombre de recettes. Alors, ici, je redonne un petit coup. Encore une. Voilà, juste ce qu'il me faut. Donc je vais pouvoir faire des cochons. Je prends les œufs. Et donc là, je vais faire 2 de chaque. Et après, tout le reste, en fait, tous les autres œufs que j'aurai, je les réserve tout simplement pour faire des villageois. Vu que ça me permettra peut-être d'obtenir certaines
certains matériaux que je peux pas obtenir de base dans le skyblock. Alors voilà, les deux cochons sont là. Il manque les moutons. C'est vraiment juste histoire de dire que j'ai tout ce qu'il faut parce que j'ai plus besoin de laine normalement. Et je peux faire en fabriquer assez facilement avec des sticks et de la bonne mille. Alors on va faire la dose. Ouais, là, effectivement, j'ai vraiment fait la dose. Notification Facebook. Je pense que je vais la laisser vu qu'il n'y a pas de, il y a rien de compromettant. Alors ça avec. Notre laine. Et voilà les œufs. Et j'ai débloqué un succès. D'ailleurs j'ai débloqué. C'est de quoi dans Magic Eggs. C'est ici. J'ai aussi débloqué la dernière fois le fait d'avoir 64 de cobblestone. Donc voilà, j'avance gentiment. Mon but ça va être de tout débloquer forcément. En tout cas tous les achievements de cette section. Et du coup, la prochaine étape, ça va être les villageois. Donc pour ça, je vais devoir construire une nouvelle zone à un villageois. Je vais juste... Et voilà, on sera plus tranquille là. Donc je vais déplacer ma source d'eau infinie. Je vais la mettre par ici. Juste de ce côté. Comme ça, je ferai toute cette zone pour les villageois. Alors j'ai encore des planches, j'ai des seaux, j'en ai fabriqué plusieurs. Je me suis trompé sur l'interprétation pour une recette. Fait que j'ai, pour faire de l'obsidienne, j'ai besoin d'un seau de lave et d'un seau d'eau. Puis je pensais que ça consommait les seaux, mais en fait ça nous les rend après. Parmi les choses que je vais aussi faire prochainement, je pense que ce sera dans le prochain épisode, j'en ai marre de ce plancher qui est trop bas. Donc je vais juste remettre une couche en fait de dalle au-dessus. Alors comment j'avais fait? Ah oui, c'est vrai qu'en plus je m'étais compliqué un peu la vie. Descendre avec ça en espérant ne pas faire trop de conneries. Voilà, c'était assez basique ça. Tac tac, la source va être ici. Voilà, une ici, et normalement c'est bon. Et j'aime bien couvrir pour éviter qu'on prenne sans faire exprès la mauvaise source en passant par au-dessus. Donc du coup je peux enlever celle-là, est-ce que j'ai réussi? Non je crois pas. Bon, de toute façon. Casser ma hache, ça descend super vite. Je vais bientôt passer aux outils en fer, ce sera un peu plus simple. C'est juste ça coûte relativement un certain nombre de composants, donc j'ai pas encore forcément ce qu'il faut. C'est bon, là j'ai enlevé la source.
Donc pour les villageois, ce que je vais faire, en fait, je vais faire des petites sortes de cabanes avec à chaque fois un villageois. Un villageois par cabane. Et pour l'instant, les squelettes continuent de mourir. Alors, on va commencer par ici. Je vais aussi compléter comme ça parce que je vais faire. Ça va être juste une allée en fait. Puis j'aimerais bien que les villageois soient à la hauteur du sol, pas. Enfin non, vu que je vais relever une autre fois, je vais plutôt surélever. J'ai déjà surélevé cette plateforme. Je vérifie de temps en temps quand même ce qui tombe. Ce qui me semblait, il y a un zombie qui a l'air encore vivant. Je pense un speeder jockey, donc un de ces bébés zombies sur qui est perché sur un poulet. J'en ai eu un qui a popé aussi avant, mais j'ai pas réussi à choper d'œuf ni rien. Mais c'était de toute façon avant que je fasse que je fasse mes œufs pour générer les poulets. Alors on va reconvertir ça. On n'a jamais trop de dalles. Alors ça fera quoi? Je vais peut-être mettre des torches pour marquer les emplacements pour l'instant. Donc il y en aura un, on va dire ici, un mur, un ici, un mur, un ici. Un mur, un ici. Et celui-là, ce sera le dernier. Donc il me faut encore juste une série de murs. J'espère que j'aurai des trades intéressants pour les villageois. Donc je vais déplacer les torches. Maintenant ça indique vraiment l'emplacement où sera le villageois, vu qu'il faudra de toute façon éclairer. Parce que je vais les protéger de la pluie et tout, ils vont être dans des petites cellules bien à l'abri. J'ai pas envie qu'il en arrive malheur. Ensuite, je vais utiliser pour l'instant de la laine pour. C'est juste pour définir les. Pour placer les dalles. Aucune incidence, mais je préfère l'enlever pour des raisons esthétiques. Ah, par contre, je suis en train de faire n'importe quoi. Il faut encore une largeur en plus. Parce que là, il n'y a pas la place de les mettre.
tout cas, la base commence à prendre de l'ampleur, j'avance bien dans cette série. Les débuts ont été un petit peu difficiles, mais... C'est surtout au début, il y a beaucoup de collecte de ressources qui est assez longue. Là, je commence à avoir du bois, j'ai de la réserve, ça va assez vite d'en avoir d'autres, j'ai des loot qui arrivent. Donc c'est assez... Je dis pas que c'est facile parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, j'en suis que à l'étape d'un cobblestone. Donc, je vais aller voir ce speeder jockey. Il m'a donné des bottes protection 3. Intéressant. Bon, elles sont pas très solides, elles vont pas durer, mais... Voilà, cette fois, c'est le vrai emplacement des cellules. Ça pousse toujours pas très bien ma canne à sucre. Mes villageois, ma petite cellule. Je vais d'ailleurs en simuler un ici. Je vais juste voir comment il va pour être sûr de bien placer le plafond à la bonne hauteur. Il y aura un plafond comme ça et ça. Je vais vérifier aussi si mon melon et ma pastèque poussent. Pour l'instant, pas. Avant, ça poussait bien, mais je crois que c'est qu'il y a aussi une incidence sur le nombre de fois. Enfin, sur le temps depuis que la plantation est prête pour savoir si ça va pousser ou pas. Il me semble qu'il y a quelque chose un peu de ce genre dans le code de Minecraft. Alors, on va refaire un peu de dalle. Ils vont être un petit peu à l'étroit. Hein. J'avais oublié ça. Je vais partir du principe que je vais mourir. Parce que... Ils font quand même des sacrés dégâts. Faudrait un message qui indique qu'on n'a pas dormi depuis longtemps. Bon. J'aime pas trop ces fantômes.
crois que c'est pas le la mécanique la plus intéressante dans le jeu. Surtout le fait qu'il soit encore là après. Et de 1. Et de 2. Du coup, je récupère ce que je peux. J'ai sûrement perdu 2-3 objets. Mais je dors. Sortir là-bas. Alors j'ai toujours ça, ce qui est assez important. J'ai toujours mon bois. Je referai, je remets mon armure quand même. J'ai plus d'armure. Ah si, il y a un casque ici. Donc j'en étais à Dali. Donc, le toit, je mettrai des lumières au-dessus aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas de spawn. C'est ouvert ici. Il faut que je puisse placer les villageois. Cette sorcière m'énerve. Ah, ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Je vais peut-être faire d'abord juste un côté et puis je ferai. De toute façon, j'ai pas encore de quoi remplir tout. J'ai de quoi faire quelques villageois. Puis je ferai l'autre dans une autre vidéo ou hors caméra. J'aime bien éclairer. Alors il me faut des fences. Je ne sais plus comment ça se fait. Ok, 2 sticks, 4 blocs, parfait. Enfin pour le craft. J'espère que ça va pas les empêcher de
Enfin, ça va pas leur permettre de passer. Dans le doute, je vais plutôt faire des barrières comme ça. C'est bon, ils passeront pas par là. Alors, une petite torche. Et on a besoin de portes. Donc, vu que j'avais prévu du bois spécialement pour ça. Alors, premier villageois ici. Bonjour. Deuxième ici. Troisième. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? De la rotten flesh contre des émeraudes. Parfait. De la rotten flesh, j'en ai en masse. De l'or contre des émeraudes, pas très intéressant. Du blé contre des émeraudes. Des patates contre des émeraudes. Des carottes. Émeraudes contre du pain. J'arrive pas à savoir ce qu'il veut. Ça veut pas s'ouvrir l'interface. Alors on va commencer par. Commencer par manger et aller tuer cette sorcière. Je ferai un tri de mon inventaire la prochaine fois aussi, parce que là ça commence à devenir un peu pénible. Je vais sûrement me faire empoisonner, mais je préfère quand même. Je ferai quelque chose d'intelligent. J'ai des vaches, autant s'en servir. Bien aimé récupérer ses loot. Donc du coup, vous jouez de la rotten flèche. Et du blé. Alors lui c'était du blé, contre des émeraudes, est-ce qu'il a un nouveau trait? Non. Lui, la rotten flèche. Lui toujours rien, je pense qu'il est bugué. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Pumpkin, émeraude contre des pumpkin pie, on s'en fout. Redstone dust, lapis lazuli, ça m'intéresse, le lapis. Est-ce que
que j'ai encore des... Des œufs, oui. Je vais juste essayer de terminer. Donc il me faut encore une, deux, trois, quatre barrières, cinq, six, sept, sept fesses. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et puis lui, vu qu'il veut rien en fait, je vais lui régler son affaire. Au revoir. Vous êtes éliminé. Un œuf, de nouveau un qui me donne rien, donc je le garde pour l'instant. Ah ici. Alors. Lui, un armurier, parfait. Là, ça m'intéresse. Et un pêcheur. Du fil, du col, ça c'est pas très intéressant. Les poissons, bah, je fais pas de pêche pour l'instant. Par contre, je vais déjà lui acheter un casque en fer. Vu que dans tous les cas, si je l'utilise pas, je peux le recycler. Pour me faire du meilleur, pour avoir du fer brut. Ah mais est-ce que ça peut pousser sur le bois en fait? Je suis en train de me poser une question là. Je vais vérifier mes plantations. Mais je crois que ça peut pas. De récupérer encore du blé. Ah, c'est pas encore prêt. Parce qu'il y a d'autres trades intéressants. J'avais dit qu'il y avait le blé, les patates, les carottes, les pumpkins, mais ça j'en ai pas encore, donc pour l'instant rien. Rotten flèche. Lui rien. Et lui, alors 10 émeraudes pour un plastron. Du coup, j'ai besoin de blé en masse. Faut aussi que j'aille récolter un peu tout ça. Ah, puis je vois qu'il est. Les patates sont prêtes. Pour l'instant, je replante tout, c'est vraiment juste le but. Pour moi, c'est de compléter le champ. Là, je crois que c'est bon. Alors, le meilleur moment, la récolte. En fait, pour les villageois, je vais peut-être éliminer ceux qui ne me plaisent pas. Mon but, ça va être d'avoir des villageois qui ont tous soit des trades par rapport à des ressources que je peux obtenir facilement, comme la rotten flesh, c'est l'exemple parfait, ou le blé. Et pour les autres, ce sera
des achats intéressants. Les pièces d'armure, là c'est déjà pas mal les pièces d'armure pour un début. Là j'ai plus rien ici. Aïe. Flèches, que je puisse m'en débarrasser. Les... La bonne mille, la gunpowder. Si je trouvais des trades avec ça, ce serait idéal. Je sais pas si j'ai assez pour faire quelque chose. Non, toujours pas. Ah, alors lui, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Ça j'avais déjà. 6 pour une underpearl, 2 pour la glowstone. Désolé, mais... Adieu. Et moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à me mettre un pouce bleu. Je continuerai, je pense, ce rythme de 2 vidéos par semaine, histoire d'avancer un peu sur cette map. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et sur Facebook, il y a des liens dans la description. Il y a également un lien vers la map si vous voulez tester par vous-même. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.